très grandement. Alors, on s'était arrêté ici au niveau de la cathédrale des profondeurs. Alors, par contre, je sais pas du tout où je dois aller. Alors, je sais pas si c'est là ou si c'est là. Bon, on va aller là et on va voir. Ouais, alors du coup, on a vu, c'est pas là qu'on va aller. D'accord, hein, on va aller clairement de ce côté-là. Parce que là, j'ai clairement pas envie de prendre une pété dès le début de la game. Si vous voyez ce que je veux dire, quand même. Que... Ah. Est-ce que je peux lui faire un backstab? Est-ce que je peux lui faire un petit backstab, s'il vous plaît? Oui! Le backstab. C'est passé, parfait. Maintenant... Non, fais pas le con, Maurice. Putain, mais je suis un connard! Mais je suis un connard fini! Sans déconner! Sans déconner, je commence la vidéo! Je dis, vas-y, j'y vais tranquille! Vas-y, tu vas tranquille, tu tombes sur un géant, il te pète un quart ta barre de life, et tu tombes sur un fils de pute, t'en as buté 150, et puis là, t'es incapable de le tuer! Bah bravo! Bah bravo! Bah ça, c'est bien joué! Putain, joueur de guignol, va. Guignol de joueur, c'est pareil. Je suis mauvais, mais je suis mauvais, c'est affreux! Allez, vas-y, redescends-moi tout ça. Et on y retourne. Et cette fois-ci, je vais le buter. C'est une promesse. Alors, on y va. On part par là. Et on va pas faire le con. Putain, je me suis quand même fait niquer comme une daubasse. Comme une putain de daubasse. On va retenter le backstab. Alors, on va essayer de pas y aller trop vite. Parce que je pense que si j'y vais trop vite, il m'entend. À me récupérer. Et on a raté le backstab, parfait. Bah voilà, tu m'as raté mon gars. Allez. Voilà, voilà. Il n'y avait rien de compliqué. Rien de compliqué. Alors, fouiller le cadavre, j'aime abyssal. Ah d'accord, ça doit être pour enchanter l'arme, imprégner l'arme plutôt, avec des dégâts de ténèbres. Mais on a déjà une hache abyssale avec les dégâts de ténèbres, donc ça ne sert à rien. Et par contre, malheureusement, on n'a pas le choix d'aller là où il y avait le géant. Donc là, par contre, ça va être la même merde. Oh, t'es là ! Quoi ça ? Mais dégage ! Mais dégage ! Mais dégage ! Mais nique ta mère ! Ah, le fils de pute ! Ça va, sinon... En plus, censé, ça rapporte pas d'âme. Alors, hop, on y va. Donc là, cette fois-ci, on va pas attendre 3 plombes. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Vous cachez. Absolument rien. Ouais. Bon, alors on y va, on avance. On va essayer de récupérer les petites choses sans se faire toucher. Avec de la chance, la nouvelle épée de l'œil regardera après ce que c'est. Carreau explosif. Ok, ok. Coup de soin, coup de soin. Y'a quoi ici? Y'a rien non plus. C'est... des zones safe. Ah bah non. Mais non, arrête de faire ça. Alors là, je suis désolé les gars, mais je vais pas vous affronter tout de suite. Je vais clairement reculer, voilà, vous allez vous faire péter la gueule dans votre cul. Bande de guignols. Alors là, on va où? Bas, à gauche, allez. On va tenter à gauche. Alors autant vous dire que sur les autres zones, je me souvenais sensiblement de ce qu'il y avait à faire. Autant à partir d'ici, je ne sais plus. Non mais les gars, là-haut, je te vois. En bas, je te vois. Hop, voilà. Tac, ça dégage. Ok, alors j'ai vu aussi l'autre espèce de petite salope là-haut. Parole d'autre monde, alors. Ok, on a 2 secondes de répit. Ok, alors, on va aller voir. Parole d'autre monde, où c'est que ça va être foutu cette merde? Donc là, on a eu la gemme abyssale, puis une arme abyssale, on s'en fout.
Les symboles noirs, on s'en fout pas, les autres mondes révèlent plus d'aide et des marques d'invocation sans avoir utilisé de braise. C'est un miracle. D'accord. Faut 12 intelligences. Bon, non, nous on est trop cons, on peut pas. C'était l'autre, c'était le truc de Lloyd. Anneau épée de Lloyd améliore l'attaque quand vos PV sont au maximum. Ouais, alors clairement, je m'en bats les couilles. C'est bizarre ça, j'aime pas les zones comme ça. J'aime pas. Alors, on va prendre l'échelle. On va voir déjà là où ça nous mène. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que ça va bien enregistrer parce que j'ai eu des problèmes pour tourner la vidéo juste avant. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de galères. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on voit la zone avec le géant qui est là. D'accord. Bah, il est là, lui. Ah, mais non! Mais fais pas des choses comme ça, fils de PD! Merde, putain, je mets des coups de trop, je mets des coups en trop, je mets des coups en trop, je suis trop con! Oh là 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 là. Eh mais c'est une catastrophe, je joue comme une merde aujourd'hui. Hein. Vous pouvez le dire. Vous avez le droit de le marquer dans le commentaire que je joue comme une merde aujourd'hui. Hein. Catastrophe. Ça qu'est-ce que c'est? Une braise. Ah. Bon, ça peut être pas mal. Ah d'accord. Et donc là, ça nous fait redescendre au cran où on était tout à l'heure. D'accord. Donc c'est une zone qui n'avait pas grand intérêt à part la braise. Hop. On va retourner là d'où on vient et on va descendre. Je pense qu'en descendant, ça va nous amener par ici, donc dans la zone, je présume. Alors. Personne? C'est bizarre là, ce coffre. Hein. Aucune confiance en ce coffre. Ah bah tiens. C'est dingue ça, comme quoi. Non, bah non, mais mets pas un coup de pied, je suis pas un ballon de foot. Attends. Ce qu'on va faire, on va la ramener là dans cette zone là. Où il y a un peu plus de place pour ce fight. Voilà. Impeccable. Impeccable, on l'a niqué. Ouh, 2200 âmes. Parfait, et on obtient Tome Divin des Profondeurs. Quoi, ça. Tome divin des profondeurs enseigne des formes de miracles des profondeurs. D'accord, ok, donc c'est bien, c'est encore un objet qui va pas nous être utile pour notre classe de chevalier en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, au moins les objets on les récupère. Ouais, genre il n'y a pas trop d'ennemis là. Ah bah tiens, il y a l'autre là. Ah bah non, bah non, bah ouais, mais je me fais baiser comme une merde, moi. T'es où, toi, le guignol, là? Voilà, ok. Alors, un chevalier de mes couilles, là. Putain, j'ai dépensé des... Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah ouais... Genre il a masse de life. Quoi, est-ce qu'en plus il fait des attaques de machine? Non mais arrête tes conneries, arrête tes conneries. Et il peut regagner de la vie, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Merde. Merde, putain je l'ai vu venir le coup mais j'ai pas été assez bon. Ah, je pense clairement que je vais crever, hein. Non, mais c'est obligé, je vais crever. Faut que je sois plus malin, faut que je sois plus malin. Faut que je me casse. Tant pis. Tant pis si je passe pour une tapette, mais je veux pas crever. Une braise, ok, d'accord. Bah ouais, mais non! Parce qu'en fait, genre... Si je m'en vais de cette zone-là... Bah oui,
forcément. Comment on va faire là? Ce qu'on va faire, on va s'équiper d'un os du retour. Et on va retourner au dernier coup. Parce que là, clairement, j'ai pas la confiance. Je sais pas pourquoi, je suis pas bon. Pourtant, vous voyez, là, je me suis entraîné un peu avant, j'ai monté de niveau, tout ça, et j'ai plutôt bien géré. Et là, catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, là, du coup, même en butant tout ça, je sais pas où ça va nous mener, ou après, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille dans la zone du géant de mes couilles. Je sais, franchement, je sais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Là, maintenant, on va y aller un peu plus calmement. On a quand même 9 fioles. On va pas faire le con. Comment c'est possible de faire autant de merde en ayant 9 fioles de santé à ce niveau-là du jeu? Voilà. Ça va se prendre tranquillement. On remonte. Vous voyez la gueule. La gueule de mon bonhomme, quoi. Une belle carcasse. Alors, ok. Donc là, on était descendu, ça menait à rien. On va retourner par là. J'ai tenté d'y mettre du cac. Je crois que j'ai plus énervé qu'autre chose. J'ai clairement plus énervé qu'autre chose. Et hop, on rentre à la brise. Ok. Ok. On va juste s'équiper. Là, on va enlever l'os du retour. Et on va peut-être se mettre... Putain, on a plus de bombes, on a plus rien. Putain, si, il me reste 3 bombes seulement. Waouh, ça fait chaud. Ou alors, j'ai pas de résine de pain. J'ai même pas une putain de résine de pain. Ah si, putain, si, elles sont là. Oh, putain, Joe l'aveugle. Résine de pain brûlée, à la rigueur. Et... Bah oui, mais je voulais déséquiper l'os du retour, je l'ai pas fait, je suis un connard. Voilà. Et à la rigueur, on va essayer d'aller péter la gueule au chevalier de mes couilles avec la résine de pain brûlé. Alors là, attention, parce qu'il y en a un qui vient de tomber sur la gueule. Je le sais. Voilà. Merde. Donc là, hop, on fait attention. On s'équipe de la résine de pain doré. Là. Ah bah ouais. Eh. Les gars, ça change tout là. On attend pour reculer, ça va nous péter à la gueule. Voilà. Allez, ça dégage. Ça dégage. Même pas un objet, rien. Enculé. Il y a un passage là? Non. Et là, je pense que l'autre saloperie là qui va nous tomber sur la gueule aussi là. Vas-y, descends. Voilà, on va essayer de la faire avec la résine de pain doré aussi. Je me dis que ça peut être pas mal. Et c'est clairement pas mal. Après, par contre, je trouve que j'ai un peu vénère. Bon, après, même en attaque normale, ça va. Prends de la life. Waouh! Yes! On se l'a fait! On se l'est fait! Saphir d'Aldrich, qu'est-ce que c'est donc que. Bah non, on fait équipement. Alors. Restitue des. Voilà, ok. Donc toi, c'est fait. Voilà, un petit compte. Voilà, on est déjà bien mieux, les gars. Merde, enculé, bah. T'as pas le droit de taquer dans le dos. Allez, vas-y, tu dégages. On reprend une fiole. Qu'est-ce qu'on obtient? Âge de servitude. Ah bah oui, mais le géant est juste là, en fait.
Ça, par contre, ça, c'est pas cool, ça. Oh putain, puis on avance à rien là-dedans. Ah ouais, donc ça, c'est carrément pas cool. Il y a un objet là-bas, il y a des objets dans le fond. Allez. Hop. Bon, déjà, on a... Ah putain, il y a encore des chevaliers de mes couilles. Qu'est-ce que ça fait, ça tirer le levier? Vas-y, si je tire le levier. Ah ouais! Ah mais ça c'est bon ça, ça va bloquer le géant là-bas. Bah bonsoir du coup. Voilà, mais non. Voilà, là par contre, là c'est bon. Là ça c'est mort. Fragment de titanite, très bien. Il va falloir qu'on commence à faire très attention à nos âmes aussi. Voilà. Toi c'est bon, c'est fait. Ah ouais, quand on passe là-dedans, ça nous empoisonne. Ah ouais, mais non, mais c'est pas sympa de faire des choses comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Entame de voyageurs inconnus. Ok. Je fais quoi? Je tente de passer comme as pour récupérer les objets? Allez, je tente. Ouais, je tente pas. Je tente carrément pas, j'ai vu qu'on l'avait éveillé. Je tente même pas le risque. Des moments dans la vie, faut savoir porter ses couilles. Et bah, je vais. Putain, il y en a un deuxième là. Oh putain, les enculés. Putain, c'est pas Charlie de faire des choses comme ça. Y a des objets par là ou pas? Que dalle. Je vais quand même aller voir là. Ça, c'est quoi ça? Ça active un levier. Vas-y, tire le levier, voir. Ok, bon, au moins on sait que là, ici, c'est un peu une zone safe. Déjà ça. Est-ce que, genre, si on attire le géant, jusque là, je dis une connerie peut-être, hein, mais que là, on lui met des petits coups d'enculé, est-ce que ça marche? Oh putain, en plus, là, ça va être un truc tout mou, ça, non? Je vais péter ça, là, ça, ça va me péter les coups, sinon... Hop hop hop, on l'a éveillé, viens. Bah on va tester tout de suite la théorie du coup. Ah ouais mais non. Ah mais non mais frère, arrête, arrête de faire ça frère. Rendors-toi, 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 va te coucher. Allez, coucou Spani là, enculé, t'es mort. Putain, sans déconner. Il y a l'escalier, il va se coucher, c'est cool ça. Allez, on y va. Par contre, c'est une catastrophe quoi. Regardez ça, je peux rien faire. Ah bah tant pis. Non mais pousse-toi! 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 Mais pousse-toi la limace de mes couilles! Putain! Sans déconner quoi, 150 mecs. Et ouais, et vas-y, je te rajoute des mecs là-bas. Mais non, mais viens de battre, fais pas ta pute, viens de battre. Rapproche-toi, jeune pédestre. On va attendre tranquillement qu'il arrive. Et une fois qu'il sera à notre portée, il y a un deuxième mec là. Allez, donc toi déjà, je te dégage. Parce qu'en fait, là, ce qui me fait chier, c'est qu'il y en a un à l'épée, il y en a un là qui est en train de dormir. Du moins qui fait semblant de dormir. Parce que moi je les connais là, ces stratins.
Ça c'est une petite strate d'enculé ça. Moi je les connais les stratégies de développeurs. Et ouais, on vous met un mec qui dort et puis dès que tu passes à côté, hop là il dort plus. Ah non. Une braise, cool. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Hein. Moi je vous le dis. Putain, et je crois que pas très loin c'est le boss. Hein. Ah, mais par contre j'aurais kiffé genre qu'on ait un petit feu genre pas trop loin, tu vois. Genre question d'arriver si possible au boss en ayant perdu le moins de vie possible. Ok, je sais pas où on est. J'ai pas la moindre putain d'idée où je suis. Oh, oui. Un raccourci. Enfin, yes. Donc ça veut dire qu'on approche bien du boss. Mais par contre, genre même là... genre même là, le raccourci, bah le feu il est loin. Hein. C'est abusé. Hein. Alors on va aller voir de ce côté là ce qui se passe. Ah bah t'es là toi frère. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow treasure. D'accord, ok, ça parle de trésor. Attends, y a pas un enculé là qui vient me tomber sur la gueule? Non. Ok, alors. Amulette de dueliste. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Où ça va être? Amulette de dueliste, ah voilà, désactive temporairement les effets dans la zone. Voilà, ok. Donc, il nous a parlé d'un trésor de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on traverse là? Oh putain, quelle connerie je viens de faire! Shame on you, you greedy guts. Thought you could outwit an onion. Mais t'es quoi toi, t'es qui? Well, say hello to the nice giant. He adores visitors. Putain, mais c'est quoi cette espèce d'enculé de sémant qui nous trahit comme ça? Oh bah... Oh non mais je suis con! Ouais, on est passé. Pas là, ok, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Normalement, on réussit à survivre. Normalement, on réussit à survivre, les gars. Si on est bon, on réussit à survivre. Putain, yes, on a réussi à survivre. Ah putain, mais alors attends, par contre, cette espèce d'enculé de ses morts, je vais aller lui dire ce que je pense. Je vais aller lui dire ce que je pense de son putain de piège d'enculé. Ça va pas se passer comme ça. On va pas en rester là, mon pote. Hein. Alors, on va tirer le levier. Et ensuite, je vais tirer ta femme. Sans déconner. Ah merde, par contre du coup j'ai pas réactivé le truc. Ah merde, j'aurais dû réactiver le... Ah merde. J'aurais peut-être dû réactiver le pont là pour justement passer au travers. Et voilà, et voilà, et bah ça s'est enfui. Bah. Bravo, bah, ça, belle mentalité ça. Belle mentalité de vainqueur ça. Même pas le courage de venir m'affronter. Putain, bête. Alors, ok, c'est pas grave. Par contre, on n'a qu'une fiole. Donc, si c'est le boss, on est dans la merde. Je vous le dis très clairement. Après, c'est pas grave, hein. Genre, faut essayer dans la vie. Alors là, on va le réactiver. Comme ça, au moins, ça repart là-haut. Ça pue ça. Vas-y, résine de pain brûlé. Ah
putain, non. Arrête tes conneries. Récupération de fiole. Waouh. Fais pas le con, Bibi, il nous reste un coup à mettre là. Allez, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez. Là, tu dégages, ça va te calmer, ça te fera la bite. Ouais, je savais que t'étais une petite salope endormie. Je le savais. Ok, fouiller le corps, armure de chevalier de la cathédrale. Ok. Ça, on n'y croit même pas une seule seconde que ça va pas nous attaquer dès qu'on aura le dos tourné. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, y'a rien, là, y'a rien. C'est clairement la salle du boss. Alors, c'est clairement la salle du boss. Alors, ce qu'on va faire, on va être malin. On va être malin, les gars. Cette fois-ci, on va utiliser notre cerveau. Ça changera d'habitude. On va aller au sanctuaire de l'Ichefeu. Et comme j'ai 9900 âmes, et que je dois avoir normalement, je pense, quelques âmes dans mon inventaire, je vais les utiliser pour essayer de monter encore d'un niveau. Et après, on ira se fight avec le boss. Et on tentera bien évidemment le first try parce qu'on est des putains de génies. Alors, j'espère par contre que j'ai assez parce que sinon je vais un peu m'en vouloir. 5000 âmes, oh oui. 14000, quasiment 15000 âmes. Il faut combien? Il faut 1, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? Ah si, je voulais augmenter ma vigueur. Vous voyez, ça augmente ma défense, mes saignements et mes charges. Ok, donc on va faire ça. Et du coup aussi, je vais acheter des choses à elle parce que je n'ai absolument rien. Je voudrais acheter de la résine de pain brûlé. On va en acheter 3. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et les crânes élégants, qui va nous servir pour le boss. Vous allez voir pourquoi. Ah merde, je peux en acheter que... Oh, tu me diras 5, c'est déjà pas mal. Hein. En vrai, je vais peut-être vendre des trucs de merde qui me servent pas. Faut venir du corps, bref. Ouais, ça va pas me changer grand chose, ça, malheureusement. Ouais, on va peut-être pas se faire chier avec tout ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça, on va déséquiper l'os du retour, on va équiper les crânes élégants, comme ça on en a 8. Et on va aussi équiper, pendant qu'on y est, une braise. Comme ça, au moins on va essayer de s'en faire trop baiser. Alors, on va voyager vers la chapelle, c'est ça. Et là, par contre, il va falloir qu'on soit relativement malin et plutôt bon pour tout esquiver. Pour aller jusqu'au boss et essayer de le fight full life. Si on le fight full life et qu'on le fait first try, je suis un génie, les gars. Mais ça, c'est pas garanti du tout. Malgré que de mémoire, ce boss est c'est pas trop compliqué. Alors, je vais pas passer par là, je vais plutôt passer par l'extérieur pour la simple et bonne raison que je voudrais passer par le raccourci que j'ai ouvert tout à l'heure. Et ainsi gagner du temps. Cela, tant pis, on les esquive. De toute façon, ils vont pas nous faire chier. Voilà, donc là on va aller là. Ah ouais, on pourrait aussi aller par là. Hein. Ouais, peut-être qu'aller par là, ça serait peut-être même une meilleure solution. Est-ce que de là je peux reprendre. Je peux reprendre ici sans crever? Ouais. Sans crever et sans perdre trop de vie en fait. Voilà, ok, nickel. On a quasiment pas perdu de vie, ça c'est plutôt très bien. Là, normalement, ici, de mémoire, on avait activé l'échelle. Parfait. Hop. Alors, par contre, je vous le dis, je vais pas refaire le petit chevalier, là, juste avant le boss. Je vais vraiment tenter full esquive pour arriver le mieux possible au boss. Voilà. Nickel. Là, on va laisser l'autre avancer là-bas pour pas qu'il nous casse les couilles. Nickel. Parfait, ça.
Et donc là, on arrive à la porte qu'on a ouverte tout à l'heure. Très très bien. Donc normalement, j'avais activé l'ascenseur pour qu'il soit là. Parfait. Parfait, 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 parfait. Pour l'instant, jusque là, c'est pas trop mal, ça y va. Alors là, attention aux attaques. Ok, c'est pas grave. On y va, full esquive. Là, on sait qu'on est poursuivi, mais c'est pas grave. Oh, il nous poursuit plus. Parfait, ok. On y va pour le boss. Souhaitez-moi bonne chance, on va en avoir besoin. Alors là, voilà. Donc là, vous voyez pourquoi les crânes élégants. Parce que ça va tout simplement les amener sur un autre truc qui va me permettre de me concentrer sur celui qu'il faut que je vise. Donc il est donc en rouge. Ok, crâne élégant. Parfait, très bien ça. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. On se débrouille bien. Où est celui qu'on doit taper? Il est juste à l'entrée, c'est parfait. Ok. Et là, il est dans le trou. Ok, fin élégant. Allez, dégagez de là. Fais-moi de la place. Ah, bâtard! Mais non, c'était pas lui, je visais, c'était lui! Wow. Alors là, on va reculer, on utilise tout de suite la braise. Ok. On va s'équiper des crânes élégants, dégagés par là-bas. Voilà, donc là, phase 2 du boss. C'est là qu'ils vont nous être très utiles, les crânes. Okay, résine de pain brûlé. Ah putain, mais non! Mais niquez votre race, niquez votre race, putain, fiole, 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 fiole. Ok, crâne. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on peut le faire for try, on peut le faire for try, normalement il est facile comme boss. Voilà, comme ça, ça dégage. Allez les gars, for try. Petite poupée, âme de diantre des profondeurs. Ok, cool. Et c'est le for try, c'est le GG les gars. Ah putain, je suis content. Donc là, ça veut dire du coup qu'on a fini la zone de la cathédrale. Ok, très bien. Donc on va aller au sanctuaire de l'Ichefeu, tranquillement. On va aller utiliser l'âme au foyer de transposition pour voir si ça peut nous filer une arme, une hache, je sais pas quoi, ou un anneau, qui pourrait nous être utile pour le jeu. On va aller voir ça tout de suite. Ah putain, en tout cas, moi je suis très 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 content d'avoir fait ça sur Fry. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va déséquiper ça. C'est qui ça? Oh, we spoke before on the road of sacrifice. I'm well pleased as we reached the Cathedral of the Deep. But the man-eater must have left for his the little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Ira. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron and so becomes our destiny. Voilà, part de l'Albastion de Farron. Honest, a pilgrim told me and so becomes our destiny. Et donc là, on va devoir se rendre et aussi. Ok, donc là, Aldrich, le saint des profondeurs. Ah! Donc voyons voir. Lire l'inscription. Bah non, on s'en bat les couilles en fait. Ah non, je pensais que ça. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, du coup. Je pensais que ça nous mettait un truc vu qu'on l'a. Ah non, c'est le diable des profondeurs qu'on a vaincu. Ouais, bon, c'est pas grave.
Ah oh, putain, quel con, j'ai raté. Putain, mais il y a eu un petit moment de freeze là. Putain, c'est pas sympa ça. Là, il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de souci, voilà. Alors, début de la transposition. Alors, l'âme dédiée à des profondeurs. Donc, soit l'âme invoque les vestiges d'une âme ténébreuse, ok, ou ça, la chandelle du clair, bah, on s'en bat les couilles. Clairement, pour nous, il n'y a aucun putain d'intérêt à prendre ces choses-là. Donc, ce qu'on va faire, où c'est qu'elle est la gardienne d'ailleurs, c'est qu'on va utiliser son âme. Utiliser l'âme. Et on obtient 20 000. C'est la fête du slip, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on va s'augmenter? Moi, j'augmenterai bien encore un petit peu la vigueur. Parce que au niveau des charges, ça peut quand même être bien. Ouais, voilà. 24. 24 en vigueur, on n'est pas si mal que ça. Non. Oui, dépenser. On dépense. Donc là on a 7000 âmes, il en faut 14000, ok. Et alors fais voir avec ce que j'ai. Non, putain, je suis con, c'est là. Et là j'en ai deux comme ça. Si je les utilise, est-ce que je peux monter suffisamment en âme? 4000. Ah non, je vais pas avoir assez. Il me manque combien? J'ai pas fait gaffe. Il manque 3000 âmes. Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Par contre, du coup, je voulais voir une chose. Où c'est qu'il est, ce truc de merde là que je viens de récupérer? La petite poupée, poupée argentée représentant un jeune écuyer. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je donne ici? Non. Rien du tout. Toi, je pense pas qu'il y ait des choses que je te donne. Alors, toi. Bah non plus. Alors, je l'ai bloqué aussi, hein. J'ai oublié de vous le dire au début de vidéo. Le petit bonhomme là-bas. Par pur hasard. Pur hasard complet. Alors, donnez le tome divin. Ah bah ouais, tome divin des profondeurs, ça existe, je peux le donner. Et ouais, par contre, du coup, on peut juste apprendre des miracles. Mais comme nous, on est trop cons et qu'on n'est pas un magicien, on ne peut pas. Et d'ailleurs, aussi, alors, si vous savez, dites-le moi. Parce que moi, je ne sais absolument pas. Donc... je vais vous lire ça dans 3 secondes, je parle juste à ce PNJ de mes couilles. Acheter les objets. Ah, bénédiction divine, urne foudroyant. Ah, bah tu commences à avoir des objets pas mal toi mon gars. Surtout les braises, c'est très intéressant ça. Ok. Donc voilà, donc, comme je disais, ce PNJ là, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Yuri. Donc je l'ai monté plusieurs fois, il m'a fait révéler la puissance, la véritable puissance, je l'ai fait et maintenant il est mort. Alors que je l'ai pas frappé ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi, donc si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner parce que honnêtement je ne sais pas du tout. Alors acheter objet, alors pierre de purge, kunai, anneau sombre, anneau sacrificiel, anneau blanc de Dupri. Ok, donc c'est que des trucs de merde. Donc on s'en bat les couilles. Toc 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 toc. Hop, on va au feu. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à activer la cloche, partager la vidéo, ça vous prend pas plus de 15 secondes à faire tout ça et c'est très utile. Et puis bah moi je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure sur Dark Souls 3. Allez, ciao.